Nous sommes avec Martine Verskoren, artiste de notre région, de Montréal, mais plus exactement, ancien modèle. Elle a décidé de se lancer dans la peinture et puis un coup de chance, elle a fait une exposition à Paris, ça a été le déclencheur et maintenant, je dirais qu'elle est artiste presque à temps plein. Alors, Martine, pour Ramdar, je vous demande de décrire une de vos œuvres. Alors, cette œuvre, ça s'appelle L'Échiquier, c'est ça? Oui, enfin, disons qu'elle est finie depuis 5 jours. Donc c'est le premier nom, c'est le jeu actuel. Mais oui, ça voulait être, en tout cas, être une partie d'échec au niveau humain. Et, voilà. Alors on voit cette œuvre, il y a différents personnages. Les femmes sont en blanc, les hommes sont en noir. C'est un peu manichéen, hein, non? Mais c'est les blancs contre les noirs. C'est l'échiquier, il y a des pions dans chaque camp et chacun cherche à atteindre sans doute l'autre rive. Alors, qu'est-ce qui a déclenché la genèse de cette œuvre? Je crois que c'est le sentiment de chacun de ne pas savoir qui on a en face de choix, de soi, de ne pas savoir, voilà, de chercher peut-être l'homme idéal. Moi, je l'ai trouvé, donc ça va. Mais l'homme idéal est ce qui se cache sous le Don Juan, sous l'homme qui travaille, sous le futur étudiant. Je crois que non, c'est parti plus d'histoire avec... Surtout comment la personne en face va agir. Ouais. Elle peut être dangereuse, elle peut être... C'est-à-dire que bon, là, on voit celle que vous avez pris peut-être pour la reine. Oui, parce qu'on voit une belle femme, bien élégante et tout, longue robe avec le verre de champagne. Vous m'avez dit, à votre avis, qui est la reine dans tout ça? Ben, pour moi, je dis, c'est celle-là. Mais ça peut être n'importe qui. Vous avez... Votre reine, vous l'avez déterminée? Non seulement, moi, j'aurais plutôt cherché à savoir dans les hommes, personnellement, ouais, qui aurait pu être mon roi. Et même là-dedans, non, je ne l'ai pas déterminé. Chez les femmes, pour moi, c'est la femme fatale. La femme fatale, combien de temps ça dure? Ça peut être la femme fragile, ça peut être chacun à sa propre reine, on ne le sait pas. Mais il y a, chez beaucoup de femmes, on va choisir peut-être le Don Juan, ou l'homme musclé, ou l'homme d'affaires à la 50 nuances de gris. Vous aimez bien James Bond? Ça va, je suis plus que les cow-boys. Hein. Ouais. Je suis très, très cow-boy. Très cow-boy, mais pas agent secret. Parce que je vois qu'il y a... Aussi, oui, il y a un peu de tout. Mais de nouveau, bon, mais ce Don Juan qu'on voit un peu plus à l'avant-plan à côté de la reine, si c'est le cavalier, pour moi, je le vois plutôt comme un cavalier que comme un roi. Si c'est un cavalier, il la fauche. Mm-hmm. Si c'est la tour, si c'est James Bond là derrière qui se retourne, ben, la tour, elle part tout droit. Et donc, qui va attaquer qui et qui, voilà. Je crois que dans la vie, on ne sait jamais à qui on a affaire non plus. C'est pas totalement abstrait, c'est pas totalement réaliste ce que vous faites. Vous jouez entre les deux. Sur celle-là en particulier. Celle-là est entre les deux. C'est vrai qu'elle est un petit peu en dehors du coup. Les autres sont beaucoup plus sensuelles et beaucoup plus des zooms sur des petits détails. Mais j'aime bien une fois de temps en temps aussi m'amuser dans Vous laisser aller quoi. Ah ben il faut, non. Merci.